Bien chers amis de Café Évangile, Pilate lui dit, « Alors tu es roi ?» Jésus répondit, « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Telles sont les quelques paroles de l'Évangile de ce dimanche où nous célébrons la solennité de notre Seigneur Jésus-Christ, roi de l'univers. Et avec cette fête, nous terminons l'année liturgique B. Oui, il est le roi des rois. Il est le seigneur des seigneurs. Son nom, c'est Jésus. Jésus, Jésus. Oh, il est le roi, comme nous le chantons habituellement. Qui est un roi? Et quelles sont les caractéristiques d'un roi, chers amis? Un roi, c'est quelqu'un qui est capable ou qui doit être capable de garantir la sécurité de ses sujets, de ceux qui lui sont confiés, et non de que ses sujets lui garantissent à lui la sécurité. Ce n'est pas le groupe des personnes qui sont les sujets du roi qui doivent lui garantir lui sa sécurité. C'est plutôt lui qui doit garantir la sécurité de ces personnes-là. Les rendre justice quand ils sont condamnés injustement. Veiller à ce que tous ceux qui appartiennent à son royaume jubilent de la liberté de vie dans leur vécu quotidien. C'est-à-dire que le roi doit se préoccuper pour le bien-être des membres de sa royauté, ces personnes qui lui sont confiées, ses sujets. Être disponible jusqu'à même donner la vie pour sauvegarder celle de ces personnes-là. Chers amis, qu'est-ce que le Christ a fait pour mériter ce titre de roi de l'univers? C'est tout ce que nous venons de dire. Sur la croix qui est son trône de règne, couronné d'épines et non d'or, il a librement donné sa vie pour toi, afin que tu puisses vivre comme fils et fille de liberté. Moi, je suis venu pour rendre témoignage de la vérité. Et c'est ça, être roi. Il a rendu témoignage à la vérité en te faisant justice, en mourant sur la croix pour toi, en donnant sa vie pour la multitude, en se préoccupant pour chacun de ses brebis, pour qu'aucune ne se perde. Bien, chers amis, mais de nos jours, chers amis, combien sont ces rois-là? Combien sont ces dirigeants politiques, civils, administratifs, dans leur rang distingué, qui ne répondent plus à cette identité-là? Combien de peuples, combien de nations souffrent de nos jours, croupissent sous le joug de la pauvreté, de l'insécurité à cause de la dureté de cœur et de la recherche du bien-être personnel de ses dirigeants? Combien ils sont disposés à sacrifier le peuple qu'à se sacrifier pour le bien-être du peuple? C'est pour cela, chers amis, nous les chrétiens, qui reconnaissons qui est Jésus-Christ pour nous, c'est notre devoir de le proclamer roi de l'univers et de faire connaître au monde qu'il a exercé sa royauté en nous rendant service jusqu'à la mort sur la croix. Et comment reconnaître et proclamer la royauté du Christ dans notre vie? Écouter le roi des rois, écouter son enseignement, vivre selon ses directives. S'il te dit ne fais pas ça, ne le fais pas, parce que c'est pour te garantir la sécurité qu'il te donne ses instructions. C'est pour ton bien. Écoutez le roi. Administrer avec vérité et rectitude les biens qu'il nous a confiés, sachant que notre être chrétien doit correspondre au sacrifice rédempteur de la croix. Être roi, c'est servir, et servir, c'est aimer. La question que chacun de nous doit se poser est celle-ci. Le Christ règne vraiment dans ma vie? Il est mon roi et mon Seigneur? Il règne dans mon cœur? Qui est celui qui est dans ma vie? Ou bien qu'est-ce qui définit mes objectifs et mes priorités? C'est le Christ ou c'est quelqu'un d'autre? Est-ce que je vis pour moi-même ou je vis pour le Seigneur? C'est ça la question que nous devons nous poser en cette fête. C'est bien vrai que nous sommes appelés à louer le Seigneur pour sa royauté, mais demande-toi, il règne vraiment dans mon cœur, dans ma vie? Est-ce que je lui ai donné cette place de roi à travers l'écoute à son enseignement, la docilité à lui? Comme le bon ladron, chers amis, avec un cœur repenti pour toutes les fois que nous n'avons pas reconnu la royauté du Christ dans notre vie, que nous ne l'avons pas intégré, que nous ne l'avons pas accepté, disons-lui, Seigneur, pardon, rappelle-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Bonne journée, je vous bénisse.